petit tous, on se retrouve pour le message eh bien, de ce mardi 22 novembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé à l'endroit anxiété. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous dans un désarroi? Cette carte, n'est-ce pas? Elle peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Et quelle est cette situation? C'est une situation que vous avez vécue et que vous n'arrivez pas à fermer cette porte, cette situation. Et vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez et vous broyez du noir. Et c'est ce qui donne votre anxiété. Peu importe, n'est-ce pas, ce qui se passe dans votre vie, vous devez faire face à cela. Et cette carte, elle vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Il est temps aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et d'arrêter de broyer du noir sur quelque chose qui a été vécu, dont vous ne pouvez plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle a été vécue, cette chose. Elle est derrière vous. Alors, vous avez beau vous prendre votre tête et la taper au mur, il n'y a rien qui va changer parce qu'elle a été vécue. Et si maintenant, ça a déversé eh bien, des tas de choses négatives, il est trop tard, c'est derrière vous. Donc, à quoi sert d'être dans cet état-là? Le fait que vous soyez anxieux, anxieuse, le fait que vous broyez du noir, est-ce que la situation s'améliore? Eh bien non. Laissez partir. Laissez partir ce que vous avez vécu, cette chose, ce moment. Et fermez cette porte. Essayez maintenant de faire de votre mieux. Encore une fois, peu importe ce qui s'est passé. Cette carte, elle vient vraiment vous dire de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. En fait, vous n'allez résoudre rien du tout, hein, en ressassant des idées noires. Et en plus, en vous faisant du souci. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Si maintenant, vous regrettez une chose que vous avez faite, que vous avez dit, que vous avez pris une mauvaise décision, ben voilà, c'est comme ça. Avec des si, on met Paris en bouteille. Vous avez échoué, mais vous avez grandi parce que ça vous a appris. Et surtout, ne soyez pas dur avec vous et arrêtez de broyer du noir. Ce qui est passé est passé. On ne revient pas sur le passé. Alors vivez le moment présent. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendu, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez,
L'univers va vous mettre ça sur votre chemin. Zen, zen, zen pour cette journée. Donc, méditez, revenez à vous, c'est important. Vous n'avez peut-être plus les idées claires. Eh bien, revenez à vous. Et vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des nouvelles choses. Comme affirmation, je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix. Tout va bien. Même si tout va mal, n'est-ce pas? Voyez le verre à moitié plein. Ça, je vous le dis souvent, au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Et comme ça, vous attirez à vous, eh bien, des énergies positives, des ondes positives. Et l'univers, il vous récompensera, n'est-ce pas? Il vous mettra sur votre chemin des solutions, des clés. Eh bien, voilà pour le message d'aujourd'hui. Et puis, je vais tirer maintenant une carte message de ton âme. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Eh bien voilà, une belle synchronicité avec cette carte que j'ai pigée, anxiété aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Cliquez sur le petit pouce pour faire connaître ma chaîne par l'algorithme. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. À demain. Thank you.